En 1993, le Conseil de sécurité de l'ONU institue un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Il siégera à La Haye. Pour la première fois, les auteurs de tous bords de violations graves du droit international humanitaire commises pendant un conflit vont être poursuivis et jugés. Est-ce une victoire de la justice? Ce tribunal constitue-t-il un modèle pour l'avenir? Personne ne s'attendait à ce que des présidents, des dirigeants soient arrêtés. This tribunal gives the most powerful demonstration that no one is beyond the reach of international justice. J'avais les coupables en face de moi, obligés de m'écouter. Ils ne pouvaient pas se lever et me tirer dessus parce que je racontais ce qu'ils avaient fait. Mr. Karadzic, how do you plead, guilty or not guilty? Cette institution est une farce. Let the accused stand. Pas une once de justice. Pas une once. We adjourn. Mr. Mladic will be removed from the courtroom. Sometimes I find myself wondering what justice. Parfois, je me demande quelle justice nous avons rendue en ex-Yougoslavie. Nous avons servi la justice internationale. Mais est-ce que nous avons agi pour le mieux? Guilty of a grave breach of Geneva Convention 4, willful killing, and a violation of the laws or customs of war. The trial chamber sentences you as at Lanzo to 15 years imprisonment. Mr. Lanzo, you may now sit down. Moi-même, j'ai longtemps cherché, mais je ne comprends toujours pas tout à fait comment j'ai pu faire ça. Pourquoi? C'est la grande question. Pourquoi j'ai commis ces actes? Quand je repense à mon passé, presque tout ce que j'ai fait me paraît inexplicable. Il m'est très difficile de trouver des réponses à tout. Les gens sont souvent surpris quand je leur dis que j'ai de bons souvenirs de la guerre. Pourtant, c'est vrai. On était toute une bande. On buvait ensemble, on draguait ensemble, on avait des voitures. En gros, la vie rêvée pour un jeune. Je n'imaginais pas que ça tournerait mal. À partir de 1991, l'éclatement de la Yougoslavie entraîne une série de conflits armés, les premiers sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Bilan, près de 140 000 morts et plus de 3 millions de réfugiés et de personnes déplacées. C'est en Bosnie-Herzégovine que sont commis l'essentiel des crimes de guerre. Ce petit pays, ancienne république fédérée au sein de la Yougoslavie, intègre trois peuples constitutifs. Le plus important en nombre est celui des Bosniaques, les musulmans de Bosnie, suivis par les groupes serbes et croates. La Bosnie-Herzégovine prend son indépendance en 1992. Mais sa minorité serbe refuse la sécession et proclame à son tour la création de la République serbe de Bosnie, ou Republika Srpska. Elle élit à sa tête le nationaliste Radovan Karadzic et prend les armes contre le gouvernement bosniaque. Les troupes sont commandées par un ancien général de l'armée yougoslave, Ratko Mladic. Très vite, ses troupes conquièrent de vastes pans de la Bosnie, chassant ou tuant les Croates et les musulmans sur leur passage. Les médias parlent de nettoyage ethnique.
Dans toutes les guerres, il y a ce que les armées appellent les dommages collatéraux. Des civils meurent, même s'ils ne sont pas directement visés. Mais en Bosnie, ils étaient la cible principale. L'objectif était de chasser les non-serbes des zones dont les Serbes voulaient prendre le contrôle. On m'a envoyé en Bosnie en mai 1992, et je suis d'abord allé à Sarajevo. Quand j'y repense, ce voyage me paraît très irréel. Comme les Serbes contrôlaient les montagnes autour de Sarajevo, ils pouvaient tirer à distance sur les passants dans la rue. C'était la panique. Personne ne marchait, tout le monde courait. Beaucoup de mes confrères ont été touchés. Certains ont même été tués. Je crois que les journalistes ont fait leur travail en montrant ce qui se passait au reste du monde. Ensuite, c'était à d'autres de prendre le relais. Mais les gouvernements en Europe et aux États-Unis ont laissé faire et décidé de ne pas intervenir dans cette guerre. Ceasefires and political talks have led nowhere and won't until the Western world proves it has a true commitment in ending this war. Il y avait cette habitude quotidienne de voir à la télévision Sarajevo sous des tirs d'artillerie. Et ça devenait presque une routine. Là où le choc a été quand même particulièrement fort, c'est quand sont arrivées les premières images des personnes qui étaient retenues dans des camps, décharnées, derrière des barbelés. Et là, il y avait ce sentiment de revivre des images de la Deuxième Guerre mondiale en couleur. À une heure d'avion, une heure et demie d'avion de Paris, et que ça appelait bien évidemment à une volonté de justice. So can you tell me anything about the conditions in which you are being kept here, or is it difficult? I'm not sure that I'm allowed about that. You know, can you understand me? Ces images rappelaient celles de Bergen-Belsen, de Dachau et des autres camps de concentration à leur libération en 1945. Elles ont fait forte impression. La communauté internationale ne pouvait pas rester sans rien faire. Alors l'ONU a eu l'idée de créer un tribunal pour juger les crimes de guerre. Un tribunal international pour juger des crimes de guerre commis dans l'ex-Yougoslavie, c'est la décision historique prise hier par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la première fois qu'un tel tribunal sera mis en place depuis le célèbre procès de Nuremberg. Today we begin to cleanse the hatred that has torn apart the former Yugoslavia. A few months ago I said this will be no victor's tribunal. The only victor that will prevail in this endeavor is the truth. We must now move without delay to the next steps, particularly the appointment of the prosecutor and the selection of judges. Finally, of this we are certain, the tribunal must succeed for the sake of the victims and for the credibility of international law in this new era. Thank you very much, Mr. President. Jusqu'à la fin du 19e siècle, pour mettre fin à un conflit, on se partageait simplement les prises de guerre. On n'envisageait pas d'autre issue possible. La justice internationale a vu le jour avec le procès de Nuremberg. Elle était imparfaite parce qu'elle ne visait qu'un seul camp. Mais elle s'est avérée très efficace pour traduire en justice les criminels rapidement, résolument et en marquant les esprits. Montrez à vos amis la photo de Göring sur le banc des accusés. 90% d'entre eux sauront l'identifier. Et puis, il y a eu un coup d'arrêt à cause de la guerre froide. Les États-Unis au Vietnam ? L'épandage d'agents orange et les bombardements au napalm, c'était des crimes de guerre. Est-ce que les États-Unis ont été inquiétés pour autant ?
Dans les manifestations de l'époque, on ne scandait pas « jetez-les en prison » ou « traînez-les en justice ». On criait « arrêtez la guerre » parce qu'il n'y avait aucune juridiction devant laquelle envoyer les responsables. Le tribunal pour l'ex-Yougoslavie a complètement changé la donne. Maintenant, en cas de conflit, on peut avoir le réflexe de dire « il faut les traduire en justice ». On part du principe que ceux qui commettent des horreurs dans des conflits atroces doivent être jugés. Mais ce n'était pas le cas il y a encore 25 ans. J'avais un énorme plaisir dans mon travail en police judiciaire. Que ce soit à Paris, à Marseille ou à Nice, c'était un métier absolument formidable. J'avais pas l'impression de travailler, je vivais une aventure quotidienne. Mais j'ai eu tout de suite l'impression, lorsque j'ai vu la demande de recrutement formulée par le bureau du procureur, enfin par le tribunal, que je ne pouvais pas ne pas me porter candidat. En 1993, c'est la ville de La Haye, aux Pays-Bas, qui est choisie pour l'installation du tribunal pénal international. Les juges, enquêteurs et représentants du procureur sont recrutés dans le monde entier. Le bâtiment ne ressemblait pas à un tribunal, même pas à une officine juridique. On partageait les locaux avec une compagnie d'assurance néerlandaise. Sans doute un grand groupe, parce qu'on était relégués dans une petite aile. On recevait des masses de documents d'ex-Yougoslavie. C'était un flot continu. Il fallait commencer par les inventorier. On voulait agir pour mettre fin à la guerre, et au lieu de ça, on nous disait « triez ces papiers et organisez vos fichiers informatiques ». C'était difficile à comprendre. L'équipe venait de partout, États-Unis, Grande-Bretagne, Italie. On était plein d'énergie et il y avait une certaine fébrilité dans l'air, même si on ne se faisait guère d'illusions. Personne ne croyait qu'on arriverait à nos fins. Pendant ce temps, la guerre ne faiblit pas en Bosnie-Herzégovine. Les camps croates et musulmans ont désormais chacun leur armée et l'affrontement devient généralisé. Partout, les civils payent un lourd tribut. Pendant les guerres de Yougoslavie, je crois que ni les gens au pouvoir là-bas ni le reste du monde n'imaginait qu'on demanderait un jour des comptes aux responsables. J'avais interviewé Radovan Karadzic et Ratko Mladic en leur demandant s'ils ne craignaient pas de se retrouver dans le box des accusés après la création du TPI pour l'ex-Yougoslavie. Ils avaient balayé la question d'un revers de main. Il s'en moquait complètement. Mladic m'a dit « Je défends mon peuple, la justice me donnera raison ». Craignez-vous d'être déféré, d'être traduit en justice, jugé par les tribunaux internationaux de La Haye pour crime de guerre ? Dans les villages bosniaques, le nettoyage ethnique se poursuit. Alors que les musulmans se réfugient à Srebrenica, la petite ville est assiégée par les troupes serbes. Près de 40 000 personnes se retrouvent coupées du reste du monde. Ce jour-là, j'ai compris là où j'avais conduit mes enfants, dans quelle situation on se trouvait. Tout se répétait. C'était un cercle infernal sans la moindre issue. Rien à manger, rien à boire, et on ne peut rien y faire. En 1993, un contingent de l'ONU est envoyé pour apporter une aide humanitaire à la population civile. Et quand le premier convoi est arrivé à Srebrenica,
J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en voyant les camions, je vous assure. Au bout d'un an, quelqu'un s'était enfin souvenu que nous étions là. Quand vous n'existez plus pour personne, ni vous ni vos enfants, et qu'une lueur apparaît au bout du tunnel, l'espoir que vous allez survivre d'une manière ou d'une autre revient. Et l'espoir que les choses vont s'arranger aussi. On y est allé avec le premier convoi. Le général Morillon, commandant des forces de l'ONU, s'est rendu à Srebrenica pour évaluer la situation. La population massée autour de lui ne voulait pas le laisser partir. C'est là qu'il a promis que les habitants seraient protégés. Nous ne vous abandonnons pas. Ces mots ont mis tout le monde sous pression. L'ONU représentait la communauté internationale. C'était comme si tous les gouvernements du monde avaient déclaré que cette ville serait protégée par les Nations Unies. Une promesse trompeuse, de toute évidence. Quand les casques bleus sont arrivés, mes copains et tous les autres garçons couraient autour d'eux. Je me souviens des discussions entre les gens, entre mes parents. Ces soldats étaient là sinon pour nous protéger, au moins pour nous aider. Mais c'était faux. Plus tard, j'ai compris qu'ils n'étaient là qu'en observateurs, pour assister à notre tragédie sans rien faire. La protection de Srebrenica est assurée par quelques centaines de casques bleus dotés d'armes légères et mal équipées. En juillet 1995, après 2 ans de siège, le général Ratko Mladic lance une attaque pour prendre l'enclave. Malgré leurs efforts pour se défendre, les musulmans bosniaques sont rapidement submergés. Les casques bleus n'interviennent pas. Quand l'offensive a commencé, les casques bleus ont quitté les checkpoints pour se réfugier dans leur base. Ils nous ont abandonnés. On ne savait pas où aller. On attendait d'être arrêtés ou tués. Le général Mladic convoque le commandant des casques bleus néerlandais à Srebrenica, Tom Karemans, et lui demande de se faire accompagner d'un représentant des musulmans bosniaques. Tous les hommes en âge de combattre ont considéré qu'ils ne pouvaient pas. Ils ne voulaient pas se rendre à l'armée serbe. Ils sont partis dans les bois. Je me souviens des mots de mon père. C'est à toi de décider. À toi de choisir avec qui tu pars. Moi ou ta mère. Il n'y avait pas à réfléchir. Et on n'avait pas le temps de réfléchir. Qui partirait où? On ne savait plus. Je n'ai même pas pu dire au revoir aux miens. Ils nous ont seulement dit que les femmes et les enfants iraient à la base de l'ONU, les vieux aussi. Nous y sommes restés les 2 jours suivants, jusqu'à ce qu'on nous fasse monter dans des autocars.
En deux jours, les Serbes déportent environ 30 000 femmes et enfants musulmans vers des camps de réfugiés dans les zones sous contrôle des autorités bosniaques. Mais aucune trace des 8 000 hommes qui ont tenté de quitter Srebrenica en fuyant par la forêt. Personne ne savait ce qu'étaient devenus les hommes. Donc les journalistes qui suivaient les choses depuis 1992 ont immédiatement conclu qu'un homme manquant était un homme mort. Une petite équipe va être envoyée pour enquêter parmi les réfugiés de Srebrenica. J'étais bien évidemment très heureux de pouvoir aller sur le terrain et commencer véritablement à travailler. Nous, on arrive là-bas 10 jours après la chute de l'enclave. Et rapidement, commençaient donc à arriver des gens qui, eux, déclaraient avoir survécu à des exécutions massives. Et nous racontait des scènes tellement incroyables que c'en était presque difficile à croire, tout en sachant que malheureusement, c'était très certainement vrai. J'avais 17 ans quand j'ai quitté Srebrenica avec mon père. I left Srebrenica with my father. Je voulais simplement survivre. And I just wanted to save my life. We just have On venait juste de rejoindre le flot de réfugiés quand les bombardements ont commencé. J'ai voulu me réfugier à couvert dans les bois. Et c'est là que j'ai été séparé de mon père. Je l'ai appelé, mais en vain. Je ne l'ai jamais retrouvé. Ensuite, les Serbes nous ont appelés. Ils nous ont crié de sortir de la forêt et de nous rendre. On s'est effectivement rendu. On est sorti de la forêt. Ils nous ont rassemblés dans un pré à côté d'une route. L'un d'eux, sans doute le commandant, nous a dit « Tout va bien se passer. Vous retrouverez vos familles dans quelques jours. On va vous installer dans des hangars. Simplement, vous n'aurez pas de dîner. » Je sentais l'ironie ou le sarcasme dans sa voix. Pourquoi il parlait de dîner ? J'ai aperçu des camions sur la route, tout près. Je me souviens qu'on m'a fait monter dans le dernier. Sur notre passage, il y avait beaucoup de gens à leur balcon qui nous regardaient.
Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'ils ne savaient pas. Le camion est arrivé au lieu prévu pour l'exécution collective. J'entendais des coups de feu à l'extérieur, en continu. À un moment, ils nous ont dit « Descendez du camion par groupe de 5 ». Il y avait partout des gens qui pleuraient. J'ai vu des rangées et des rangées de cadavres. Tout s'est passé très vite, en quelques secondes. Ils ont ouvert le feu. Je ne me souviens pas quand j'ai été touché. J'avais mal au niveau du ventre. Je frissonnais. J'ai entendu l'un des soldats dire « Vérifie s'il y a des corps encore chauds pour leur mettre une dernière balle. » À ce moment-là, j'avais une botte de combat devant le visage. J'ai fermé les yeux en attendant d'être tué. Mais l'autre a répondu « Non, ces connards sont déjà morts. » Quelques mois après le massacre de Srebrenica, à l'automne 1995, la communauté internationale convoque les belligérants à Dayton, aux États-Unis, pour négocier un accord de paix qui sera ensuite signé à Paris. Il prévoit la partition de la Bosnie-Herzégovine entre la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska. C'est le principal allié des Serbes de Bosnie, le président de la Serbie, Slobodan Milošević, qui signe l'accord en leur nom. On a eu la toute première interview de Milošević et il m'a fait l'effet d'un homme intelligent. Il a esquivé avec le sourire chacune de mes questions. D'emblée, il a déclaré « Je n'ai rien à voir avec les événements de Bosnie ». C'était faux, évidemment. Qui finançait l'armée des Serbes de Bosnie? Le gouvernement de Belgrade. Mais Milošević a joué sa partie très finement et l'administration Clinton l'a suivi. Monsieur le Président, vous devez tourner les pages de cet accord en une réelle espérance. For those who have survived this horrible war. Le soir de la conclusion des accords de paix de Dayton, en novembre 1995, j'étais à Sarajevo. J'ai découvert la ville à travers le hublot de l'avion des Nations Unies qui nous transportait. J'ai grandi au Canada, un pays qui ne connaît pas la guerre. Je me souviens des paysages dévastés. Les gens se cachaient derrière des carcasses de bus ou de voitures pour échapper aux bombardements et aux snipers. Des tombes étaient aménagées et marquées dans les petites cours envahies d'herbe devant les immeubles qu'on longeait en voiture. Les gens étaient enterrés au bord des trottoirs. C'est là qu'on a interrogé les premières victimes de Sarajevo. Une femme m'a raconté comment un obus avait tué son mari et son fils. Comme ça me travaillait, je lui ai demandé pourquoi elle était là et ce qu'elle espérait en témoignant. Elle m'a répondu, pour tous les gens qui étaient à Sarajevo à l'époque, le TPI représente le seul espoir. Je n'ai jamais oublié cette phrase. Il y a cette phrase bien connue, pas de paix sans justice. Et au bureau du procureur, en tout cas pour les gens avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, on en avait fait une véritable devise. C'était ce qui nous motivait. À l'issue des accords de paix, une force militaire multinationale dirigée par l'OTAN est envoyée en Bosnie.
Pour la première fois, les enquêteurs du tribunal peuvent accéder au lieu où ont été commis les crimes de Srebrenica. Je ne savais pas grand-chose quand j'ai été envoyé à Srebrenica. Simplement que des milliers d'hommes musulmans avaient disparu après la chute de l'enclave et qu'ils avaient sans doute été exécutés. Lorsqu'on parle d'une scène de crime, on parle d'un lieu. Là, on parle de multiples lieux, de multiples endroits. Une école, dont on savait qu'elle avait servi de lieu de détention. Un terrain de football, dont on savait que c'était un lieu de regroupement de prisonniers. Pour des survivants de crimes de masse, nous en comptons 10. Sur certaines scènes de crime, il y en a 0. Mais ça n'a pas empêché de pouvoir malgré tout retrouver ces scènes de crime. And this is basically what we've found. 110 14.5 mm shells, 25 empty shells of 7.62 mm. Total number of blindfolds. 117. Avec un collègue avec qui je me trouvais, on a pu s'infiltrer dans le hangar et faire un prélèvement sur un mur pour s'assurer que des innombrables traces qu'on voyait au mur, il s'agissait bien de, ou pas, de sang humain ou de sang animal. À l'analyse du laboratoire, c'était bien du sang humain. One of the great challenges. L'une des grandes difficultés pour nous a été de trouver où étaient enterrés les corps. Grâce aux indications des survivants, on avait connaissance de 4 charniers. Mais quand on les a fouillés, ils contenaient 100 ou 150 cadavres, tout au plus. D'après les archéologues, ces corps avaient été déterrés une première fois et déplacés. On a recoupé des informations fournies par des témoins et des photos aériennes prises par les Américains. On voyait par endroits des perturbations dans le sol. Avec nos cartes à la main, on est parti inspecter la campagne pour localiser ces zones. On creusait, comme dans un champ de pommes de terre. Sur le premier site, ça a duré un bon moment. L'un des enquêteurs avait une pioche énorme. Il a donné un grand coup. Et ça a fait pop. Une odeur de mort a jailli. Et quand il a retiré sa pioche, quelque chose a volé. Un morceau de chair. On a dit « Stop, attends ». Jean-René Ruez y est allé, et bien sûr, il y avait un cadavre. Ce jour-là, on a découvert 7 charniers en tout. C'est ce qui a servi de preuve pour le dossier. C'est clair, on fait de très, très mauvais rêves. Ma vie ne tournait que autour de ça, c'était une obsession permanente. Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter, il faut continuer. And that's the area there. And although there is a variety of human bones scattered on the surface and in the surrounding area. Oh, here's another bone. We picked up. This is part of a hand, human hand. It's so massive that c'est tellement énorme qu'on ne comprend pas pleinement ce qu'on voit. Et si on y arrivait, on ne pourrait pas continuer à travailler. Les membres les plus impliqués de l'équipe n'avaient qu'une obsession, trouver les éléments manquants et reconstituer les faits. Il nous a déjà fallu 2 ans pour localiser le lieu des crimes. Généralement, la scène de crime se trouve au coin de la rue. Là, on a mis plusieurs années à l'identifier. Et ensuite, on a traqué les coupables. On savait que le général Mladic dirigeait les forces responsables de ces exactions. Quant au président Karadzic, il était officiellement le commandant suprême de l'armée de la Republika Srpska. C'était donc le supérieur de Mladic, mais on n'en savait pas beaucoup plus.
On n'avait pas de documents, on ne pouvait pas interroger les soldats serbes. Et personne n'était au courant de rien. Dražen Erdemović servait dans l'armée serbe de Bosnie. Son unité a reçu l'ordre de tuer environ 1700 habitants de Srebrenica, et il a pris part aux exécutions. Rongé par les remords, il s'est ensuite présenté à l'ambassade américaine de Belgrade pour avouer ce qu'il avait fait et demander à être transféré à La Haye. Monsieur... Il était très secoué, mais semblait sincère. Monsieur Erdemović, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez ajouter comme élément, monsieur Erdemović? Poštovani sude, ja sam to morao da radim. Da sam odbio to da radim, ubili bi mene sa tim ljudima. Kad sam odbio da radim, rekli su mi, ako ti je žao, stani ti s njima, daj te ubijem. Bien, monsieur Erdemović, remettez-vous, asseyez-vous une seconde, remettez-vous, asseyez-vous une seconde. Il a plaidé coupable et purgé une courte peine de prison. Son témoignage a permis que Srebrenica ne tombe pas dans l'oubli et qu'on ne puisse pas nier l'existence des massacres. Il méritait donc une peine réduite, du point de vue du procureur. Mais la chose la plus importante de toutes que Dražen Erdemović nous a amené, c'est son appartenance au 10e groupe de sabotage. Le 10e groupe de sabotage n'agit que sur l'ordre du plus haut niveau de l'état-major de l'armée bosno-serbe. Donc le général Mladic, si on l'avait confronté à des scènes de crime, il aurait toujours eu beau jeu de dire « Oui, mais bon, c'est de la vengeance, c'est isolé, c'est des membres d'unités certes régulières ou alors des unités d'irréguliers. » The world wants to know what happened in Srebrenica. Is he saying that the Muslims who have disappeared were fighting the Serbs and were killed in combat? Yeah. There were no executions, there are no mass graves. Samo što je poginulo u borbi. Only what was killed during combat. To je iz higijenskih razloga moralo da se skloni na odgovarajuća mesta i da sahrani dok ne bude razmenjeni posmrtni ostaci. Na drugom stranu. On n'aurait jamais pu avoir la véritable accroche entre tous ces événements et le lien en acier qui relie désormais le général Mladic à toutes ces scènes de crime. Près de 8000 hommes ont été assassinés à Srebrenica, le pire crime de guerre perpétré en Europe depuis 1945. À ce moment-là pourtant, les coupables courent toujours. L'OTAN ne procédait à aucune arrestation et se concentrait sur le maintien de la paix. Karadzic et Mladic passaient les checkpoints sans être inquiétés. Nobody can arrest me in my country. No. Nobody can arrest me. And nobody should arrest any of my people because then there would be many, many dead soldiers, Western soldiers, not because we want them to be dead, not because we would give that kind of order, but because people would defend them themselves. En 1996, un an après son inculpation par le TPI, Radovan Karadzic quitte la présidence de la Republika Srpska sous la pression de la communauté internationale. As of this morning, Karadzic is no longer president of Republika Srpska. He has relinquished the office and all powers associated thereto. Madam Blavsic is the temporary acting president. Biljana Plavzic était jusqu'alors vice-présidente de la République serbe de Bosnie. Dès sa prise de fonction, le tribunal pénal international la presse de faire arrêter Karadzic et Mladic et de les remettre aux autorités de La Haye. Nous étions en paix. J'étais présidente de la République.
Un jour, on m'a demandé de livrer Mladic et Karadzic. Il y avait tant à faire juste après la guerre que je ne savais même pas où ils se trouvaient. Et ça ne m'intéressait pas. Quand je reçois cette demande, je suis présidente. Je respecte la Constitution. Et la Constitution l'interdit. Je crois que je n'ai même pas répondu, que j'ai déchiré et jeté ce papier. Le tribunal avait un problème dès le départ. À ce moment-là, nous avions dressé environ 70 actes d'accusation, mais personne n'avait été arrêté. Le procureur a donc dû imaginer une solution. Notre équipe a pu déterminer où se trouvait l'un des accusés. J'ai eu l'idée de lui tendre un piège, de gagner sa confiance pour le faire sortir, dans l'idéal sur un territoire contrôlé par l'OTAN. Pour y parvenir, nous avons prétendu vouloir l'aider à vendre sa maison. C'est sous ce prétexte qu'il a franchi la frontière avec nous. Une unité d'intervention l'attendait, nous l'avons arrêté. Ce fait a marqué un tournant, parce que nous avons prouvé qu'il était possible d'arrêter un criminel. L'OTAN était évidemment obligé de réagir. Désormais, l'OTAN arrête des criminels de guerre de tous bords, serbes, croates et musulmans bosniaques. La Bosnie-Herzégovine est le premier des États issus de l'ex-Yougoslavie à coopérer avec le tribunal pénal. Quatre gardes d'un camp de prisonniers où ont été détenus des Serbes sont remis à la justice. Je pensais, ils ne mourront pas vivants. Pourquoi ils m'en voulaient à moi? D'autres avaient fait la même chose que moi. Pourquoi ne pas les chercher eux? C'est la Légion étrangère de l'armée française qui m'a arrêté. On m'a mis un casque et passé les menottes avec une sorte de laisse pour me conduire comme un chien. J'étais fou de rage. Si j'avais eu une arme, je les aurais tous tués. Sérieusement. Quand on est arrivé à la prison, j'ai entendu des portes s'ouvrir, l'une après l'autre. 20 ou 30, si ce n'est plus. Il m'a fallu quelques mois pour prendre conscience de ce qui m'arrivait. Au début, je refusais tout en bloc. J'ai même exigé qu'on me laisse porter l'uniforme au tribunal, parce que je me considérais toujours comme un soldat. À mes yeux, cette juridiction n'avait aucune autorité sur moi. Mr. Lanza, will you please stand? How do you plead, guilty or not guilty? Personne n'avait jamais critiqué mes actes auparavant. C'était la première fois qu'on m'accusait et qu'on me disait mes quatre vérités. Esad Lanzo, also called Senga, a Muslim born in 1973. He had no specific education because already in 1991 he was called upon by the army. In April 1992, after the attacks on the Serb-dominated villages and capturing of many of their inhabitants, the military facility known as Celibidze was turned into a detention facility for
those captured. Lanzo was sent to Celibidache camp in May 1992, where he remained as a guard for at least several months. Lanzo is charged as a direct perpetrator with 5 murders, 4 instances of torture, and 2 instances of cruel treatment causing great suffering. Les violences perpétrées au camp de Celibidache étaient surtout des coups. Mais je n'étais pas le seul à frapper. Tous les gardes faisaient pareil. Mais c'était surtout moi qui tuais. Pour une raison simple, mes supérieurs savaient que quand on me donnait un ordre, je l'exécutais. Plus que tout, j'avais peur de décevoir ma hiérarchie. J'étais prêt à tout sacrifier pour avoir les félicitations de mon commandant. Quand il me congratulait et disait devant quelqu'un d'autre que j'étais son meilleur soldat, je me sentais gonflé d'importance, grand comme l'Himalaya. J'aurais fait n'importe quoi pour ça. Et je l'ai fait. Esad Lanzo meni naređiva da legnem. Ja sam legao i otvorio onu flašicu i polio mi desnu nogu. Počuo sam da je benzin i sad ne znam suće mi nogu zapali, da li je upaljačom ili šibicom. On bi nas izveo na pišanje i kad bi jedni pišali, drugi bi morali da piju tu pišaku, a ja sam bio jedan od tih koji smo pili pišaku. Sjećam se još, bila su dvojica braće, Đorđić i Vaso i Veselj. Oni su morali jedan drugome sa izvinjenjem da puše polne organe. Naočigled svi u nas, u angar koji smo bili. Did you know Mr. Lanzo from before the war? Mogu vam to ukazat. Vrlo mi je poznat njegov otac. I radio je isto u preduzeću gdje sam ja radio. Imao je stika na nurgu. Sa mnom je veliki prijatelj bio. To sam mu popili rakiju. Now, you've mentioned Lanzo, nicknamed Zenga. Did you know him before you were at the camp? Da, poznavao sam ga iz grada. On u isti srednjoškolski centar u školu. I znao sam ga još iz grada, iz kafića i tako. Ali me samo interesuje. Odakle je se on rodio kao takav da se nađe i ko je njemu to rekao i gdje je to on učio da neke te zlotine da čovjeku vrši i zločine. To me čudi da se može naći iz te takve porodice taj čovjek. J'essaie de me souvenir des visages des victimes. Mais je n'y arrive pas. I cannot imagine them. Je ne peux pas les imaginer sous des traits humains. In a human form. It just tout se brouille. Blur everything. I really J'aimerais would vraiment like, réussir really, à voir leur visage. Like to, that I can see their faces. As long as I don't Tant que je n'y parviens pas, form, c'est peut-être que je n'ai pas retrouvé ma propre humanité à mes yeux. You have to ask yourself. Je crois que la question nous travaille tous. Qui sont les gens qui ont commis ces crimes? J'ai décidé d'aller assister au procès pour mieux comprendre. First of all, both rooms. D'abord,
Les salles d'audience sont si petites qu'on se retrouve tout près des accusés. Et dans l'ensemble, on a l'impression qu'ils ne feraient pas de mal à une mouche. Il faut savoir une chose sur ces procès. Les débats sont d'un ennui mortel. Les audiences n'en finissent pas. Le jargon employé est extrêmement bureaucratique. Et les accusés sont assis là. Ils observent. Ils inspectent leurs ongles. Ils se curent le nez. Parfois, ils s'assoupissent. Pourtant, c'est leur vie qui est en jeu. Puis on annonce leur métier. Enseignants, chauffeurs de taxi, ouvriers, pêcheurs, autrement dit, toutes sortes de gens. C'est là que ça devient encore plus intéressant. Est-ce que moi, je pourrais commettre des choses pareilles? Et mon voisin ou mon frère? Mais les guerres en ex-Yougoslavie n'ont pas commencé chez Monsieur Tout-le-Monde. Au contraire, il a fallu conditionner les populations. Sans le savoir, on était préparé psychologiquement depuis 5 ou 6 ans au moins. Depuis l'arrivée au pouvoir de Milosevic. Mr. Milosevic, you are now before this tribunal and you're within the jurisdiction of it.